Begleite die grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenliebling. Aujourd'hui, la poêle verte est arrivée à Heidelberg. Alors, je m'appelle Alexis, j'ai 31 ans, j'habite en Allemagne depuis 10 ans à peu près. J'ai étudié la physique et maintenant je travaille dans une grosse entreprise informatique. Mein Lieblingsgericht ist Reine de Saba zusammen mit crème anglaise. Ce livre, c'est mon meilleur ami qui me l'a bricolé et j'y ai inscrit toutes les recettes qui sont importantes. Et là, Reine de Saba. Donc c'est parti! Maintenant, ça fait 10 ans que j'habite en Allemagne, mais donc je me sens chez moi ici en fait. Mais quand on me demande c'est quoi le Heimat, je sais même pas comment on dit en français, le berceau, eh bien ça, moi ça se rapporte au sentiment, à l'ambiance que j'ai vécu pendant mon enfance. Donc ce que j'ai dit, voilà. Alors cuisiner, c'est pas quelque chose que je fais très souvent parce que à la maison c'est mon partenaire qui fait ça. Quand je le fais, c'est des recettes justement spéciales qui se rapportent à ma famille, à mon passé. Alors 5 mots qui me correspondent. Je vais dire, je suis Alexis. Européen, lebhaft, je suis souvent de bonne humeur et je suis très content d'avoir fait ta connaissance. This is jetzt homogen geworden. In Homo House wird Homo geteilt. Homo gewirrt. Homo wird. Als Kind schon hat mir meine Mutter beigebracht, wie man es denn langsam macht. Ich war immer ungeduldig und wollte es schneller rühren, damit es endlich fertig ist. Pour moi, la vie, elle consiste en quoi? Elle consiste à être heureux. Et donc, ça semble assez égoïste. Mais en fait, pour moi, être heureux, ça se rapporte aussi beaucoup à avoir les gens autour de moi en premier lieu. Aussi les rendre heureux. Donner et recevoir. C'est une recette qu'on a fait souvent dans ma famille. Souvent on est invité à des anniversaires et il y a des gâteaux au chocolat souvent et j'en ai essayé beaucoup dans mon enfance et à chaque fois c'est bien, c'est pas mal, sauf que cette recette là c'était vraiment la recette spéciale qu'on reconnaît et maintenant je dis bah non mais j'aime que cette recette. Ich mag nur dieses Rezept. Ja, dieser Kuchen ist sehr geschmackintensiv und dann mit der Sahne dazu, Crème anglaise, ist es dann ein bisschen lockerer, auch das ist Erfrischung dabei. Et maintenant, la crème anglaise avec une recette que ma grand-mère m'a apprise. Donc, ce sera l'accompagnement du gâteau au chocolat pour un petit peu de... Je sais pas. C'est joli, c'est très beau. Voilà. Et voilà. Produkten platzieren. Diese Pfanne kriegt ihr für 10 Euro, für 20 Euro von der Seite. Alors, Alvina et moi, on s'est rencontrés à une fête chez notre voisine et, on a parlé de la cuisine, de mon Heimat. Et donc, elle m'a dit qu'est-ce qu'elle fait avec son blog et ça m'a intéressé, j'ai trouvé ça intéressant, l'ouverture à d'autres cultures. Et effectivement, quand on s'intéresse à ce que font les gens dans leur cuisine, qu'est-ce qu'ils cuisinent, et ben, on va vraiment jusqu'à... au cœur de leur culture, de leur cœur, dans leur intimité. C'est comme ça qu'on échange vraiment des choses personnelles. C'est un beau voyage. Merci pour l'oca. Pour. Ah normal. Merci pour le gâteau. Très bien. Auf die Plätze fertig. Los! Oh, der ist noch voll weich. Mhm.